Mesdames, messieurs, voici l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de son chef en résidence, Adam Johnson. À accueillir l'une des 30 artistes au pays,
qui serait à surveiller selon CBC, ce qui en d'autres mots veut dire qu'elle est merveilleuse, la soprano colorature Claire de Sévigné.
Quatre extraits tirés de l'opéra Carmen de Bizet avec les musiciens de l'OSM et le chef en résidence, Adam Johnson. Je le répète parce que c'est important. Après cette escale à Séville, il reste... Sicher.
C'était la soprano Claire de Sévigné, bravo! Et l'Orchestre symphonique de Montréal. Non, mais Claire de Sévigné, elle se peut plus. En plus d'être extrêmement bonne, elle est extrêmement sympathique. Elle m'a parlé, puis tout, elle est incroyable. Voici maintenant une œuvre parmi les plus célèbres et les plus enlevantes du répertoire, peut-être, l'ouverture de Guillaume Tell, tirée d'un opéra italien de Gioacchino Rossini. Et l'amour dont est question ici, c'est probablement l'amour de la liberté. L'ouverture est en quatre parties. Intermezzo. C'est, encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour nous de venir chez vous partager notre musique et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.
Merci de faire un dernier morceau pour nous. L'Orchestre symphonique de Montréal avec son chef en résidence, Adam Johnson, de même que la soprano Claire de Sévigné, mesdames, messieurs. Bravo.
bientôt tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Vous étiez extrêmement nombreux, extrêmement enthousiastes. C'était une soirée merveilleuse pour moi. Merci d'être venu en si grand nombre à ce concert à l'OSM dans les parcs avec SiriusXM en collaboration avec BMO. C'était vraiment un immense plaisir de vivre cette épopée musicale avec vous en plein air. Bonne fin de soirée, au plaisir de vous retrouver, dis-je, à la grande virée classique OSM du 29 août au 2 septembre prochain. Visitez le site osm.ca pour ne rien manquer. À bientôt! Bonne fin de soirée!